Alors, la spéciale licence. Ah bah écoute, on va essayer. Trois monstres. Et du coup, ça te fait passer 3 étoiles. Si j'y arrive. Ah, mais ils arrivent. D'accord, ils arrivent les uns après les autres, ok. Tu peux même pas bénéficier. Comment ça s'appelle? Enfin, le fait de pouvoir monter sur un monstre pour en attaquer un autre. Ah, je peux pas réussir à prendre le. Je devais être dans une animation. On se calme, il est mort, calmez-vous, les animaux, calmez-vous. Ah oui, le bichette, ah par contre c'est vachement bien, putain, le monstre apparaît immédiatement, t'as pas les anciens trucs bien relous, il fallait attendre 2 minutes entre chaque monstre dans les quêtes multi-monstres, oh là là, parce que ça aussi on en parle, hein. Tu passais ta vie à attendre le monstre qui voulait qu'il faisait sa mijaurée, qui venait pas. Le bichataigne. Ah, il crie lent, ouais, d'accord, il crie super en retard. Ah putain, même si t'es tourné, ah putain, ça par contre ils auraient pu corriger aussi, ça c'est toujours les mêmes défauts de Monster Hunter. Qu'est-ce qu'il fait de la merde lui? Trop tôt, hein. Oh, ça qui me rate.
Ah, ça y est, Magnum Halo est là. Là, on s'en met un. Ah, c'est vraiment bizarre parce qu'il attaque jamais en fait. C'est assez pénible les monstres qui attaquent pas comme ça. Bon, là il se casse, il en a marre. C'est vrai que c'est là que des fois que tu te rends compte les movesets des monstres. Putain, quand le monstre attaque jamais, pour te caler sur ce qu'il fait, c'est vraiment pénible. Que tu sais jamais quand il va attaquer quand ils sont lents comme ça. Alors qu'au moins les monstres qui attaquent tout le temps, tu te poses un poil moins de questions. Il fait du breakdance. Mais j'avoue, le coup, il roule partout, ça n'a aucun sens. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont pris chez Capcom? Voilà, quand il est comme ça, il est relou, par contre. Quand il tombe, ça va. Ça va qu'il ne restait plus qu'un coup pour qu'il tombe. Ah ouais, quand ils ramassent les fruits, ouais. Mais le problème, c'est que tu peux les utiliser qu'en quête. C'est des accounts items. Bon, là, par contre, il va falloir que je joue plus propre. Oh, putain, en plus, il est là. Merde. Attends. Laisse-moi me préparer mentalement. Ah putain, j'ai raté la... Des fois c'est vraiment relou de réussir à descendre. Ah bah d'accord. Des fois descendre du chien c'est une épreuve parce que il doit avoir des animations, le chien on les voit pas. Et putain t'arrives près d'un monstre, tu fais B et en fait tu descends pas de ton chien parce qu'il doit être en train de faire quelque chose d'autre. Même si je vois pas trop ce que c'est. Ouais, j'étais en retard là. Oh! Ça, c'était pas du tout propre. Cette vieille box dégueulasse. Celle-là était moche. Celle-là aussi. Parce que je suis resté coincé dans le mur de façon pas très honnête. Ah putain, mais tiens, il a pas les mêmes timings que d'habitude, je n'ai pas le temps de rentrer mon épée. C'est ouf ça. Non,
Ouais. Il est craqué au niveau des timings celui-là. C'est pas le même que d'habitude. Faut attention, il troll celui-là. Ils aiment bien faire ça de temps en temps. Timing Zarbi celui-là. Et ce qui est bizarre d'ailleurs. Ah mais j'arrive pas à le taper en même temps. Vu qu'il a des timings Zarbi, j'arrive pas à le taper. Parce que normalement il doit avoir des staggers qui arrivent plus tôt vu qu'il y a 3 monstres dans la quête. Étonnamment, la mise au sol est arrivée très très tard. Alors après ils ont pu le rendre un peu plus vénère. Hein. C'est possible qu'ils aient légèrement modifié son data sheet, hein, histoire de. Ouf! Je m'en sors bien. Ah je peux. Ouh je m'en sors bien. Parce que vu où j'étais. Vu où j'étais, j'aurais dû la prendre. Putain la vache. Trop tôt. Ah putain, il me l'a donné. Il a été kill par mon. Par un de mes chiens ou de mes chats. C'était. J'ai cru que j'étais faint au début. Tellement c'était bizarre. Je comprenais pas. Je voyais le monstre me sauter dessus. Je m'attendais à éviter. Puis d'un seul coup, je vois un écran figé. J'ai cru que j'étais mort en fait. Je me suis dit tiens. Et en fait, non. C'est juste qu'il a été. Il a été défoncé au vol par un. Par un de mes chiens ou de mes chats. Mais le début du combat était bizarre. Hein. Là, dans cette zone, ça allait mieux, il était plus normal. Mais c'était étrange parce qu'il avait.
Ouais, il avait des patterns vraiment... Il était, ouais, il a pas eu tous ses patterns, il... Bon, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faisait. Merci, Fréon. Bon, déjà aussi, le début du combat était pénible parce que je suis pas revenu à descendre du chien correctement. Bon, ça va, cette quête, elle est pas... Peut-être que le magma malo est un petit peu trollesque, mais sinon, j'ai pas l'impression. Ce qui m'a surpris, c'est que j'ai trouvé que c'est stagger, mais non, je pense que c'est parce que j'arrivais pas à le toucher au début. J'ai l'impression que ces stagger étaient plus loin que d'habitude. Enfin, pour voir que c'était une quête 3 monstres, j'ai l'impression que ces stagger étaient loin. Mais ça va être juste une impression. Mais il y en a quand même des quêtes en... dans le hub, hein. Tu veux pas dire qu'il y en a pas des quêtes, hein. Par contre, j'ai pas regardé. Il y a pas de nouveau monstre au début du Lorank multi. Ah ! Ah non, c'est des Amites. Non, Zamit et Benabra. Nabra. Pouké, ouais, non, il n'y a aucun nouveau monstre. Putain, 20 Jagras, 20 Kestodon, ok. Ah, le Gossarang, il est dès le... Ah bah oui, il est dès le HR3, puisqu'il n'y a que 3 niveaux de... Oui, c'est normal. C'est normal. Ah, il faut faire quand même 6 quêtes parmi tout ça pour passer... HR4 et donc le A-Rank. Ouah, ils ont mis HR3 du coup le Barrios. Donc il y a une nouvelle quête d'arène débloquée. Ah, ça y est, j'ai débloqué le Blast Dash. Mais pourquoi on débloque que ça? D'accord, donc le Blast Dash, il faut être HR3. Mais c'est bizarre, pourquoi on débloque qu'un nouveau skill que pour la Gun Lance ici? Vous savez, hier, il y a quelqu'un qui posait la question, en fait. Bah c'est ça, le Blast Dash, là, le mode où tu fais la fusée avec la Gun Lance. C'est ça. Mais je sais pas, j'ai pas compris. Fais voir le Gossarang. Ah, il prend pas tant que ça sur la tête. Ice, putain, ah ouais, donc c'est ça, c'est les bras qu'il faut viser. Le bout des bras. Les griffes, quoi. C'est là où il prend le plus, le Gossarang. Ça sert à rien même de tout mettre dans la tête. Putain, l'Almudron, ouais, c'est... Putain, l'Almudron, c'est vraiment casse-couille. Ah ouais, parce que l'Almudron, si t'as une arme tranchante, il vaut mieux viser la queue. Et si t'as une arme contendante, il vaut mieux viser la tête. Ce qui est pas évident. Hein. Sinon, il y a l'abdomen, mais alors il faut qu'il se retourne. Ou alors, peut-être que t'arrives à glisser dessous. Ouais, Tigrex, patte avant et tête. Ça n'a pas changé. Mizutsune, coup, tête. Ok. Et il craint le feu, évidemment. Le Gossarang, ce qui est tout à fait logique. Tigrex craint la foudre. Le Diablos, normalement. Ah oui, non, c'est qu'il craint pareil l'eau et la... Ah non, non, il craint la glace. Non, c'est ça. Oui, alors ce qui est assez bizarre d'ailleurs, c'est qu'ils craignent autant la glace parce qu'il n'a pas d'éléments associés, mais bon, c'est un choix qu'ils ont fait. Je sais même pas si j'ai découvert tous les petits monstres pour le moment, on dirait. Ah, mais tu découvres peut-être que ce. Ah non, c'est l'Endemic Life, ouais, l'Endemic Life par contre, loin d'avoir tout vu. Tellement de trucs. D'accord, et c'est tout ce que ça débloque pour le moment. Ah, si. J'ai la spéciale... Oh là là là.
Alors par contre, pour passer à HR4, il y a l'Almudron. Hein. Ça n'a jamais été mon monstre. Hein. Ouais, l'Almudron, j'avoue, je comprends rien. Très déstabilisant ce monstre. Oh bah non, j'ai rien débloqué de nouveau là. Je crois que j'ai pas été voir. J'ai été voir les armes de Gossarag. Du coup, j'ai pas été les voir, je crois. Attends, est-ce qu'il donne une G? Il donne pas de LS, du coup. Ah, par contre, la LS de l'Almudron est stylée. Hein. Mais alors, je vous avoue, farmer le monstre, ça me motive pas bien. Il faudrait que je la prenne. Ah, ça y est, je pourrais débloquer une LS. Putain, j'ai une LS avec du tranchant bleu. Ça y est. Un tout petit peu. Il y a un tout petit peu de tranchant bleu. 140. Je perds le blast, par contre. Ah. De toute façon, il va falloir faire des investissements hein, pour passer... pour préparer la suite. Ça y est, il y a un peu de tranchant bleu. Ouais, celle du T-Rex aussi. Mini tranchant bleu. 160€, hein, moins 20% d'affinité. Mais bon, vu que j'en ai 40, c'est pas trop grave. C'est vrai que je pourrais faire celle du T-Rex. Mais alors, putain, le tranchant bleu est vraiment tout petit. Hein. C'est un coup, et en même temps, même là. Ah non, là, c'est un peu plus quand même. Là, il y a un peu plus de coups. Ah oui, ça y est, il y a un peu de tranchant bleu sur les armes. Il y a celle du Barrios. Qui a du bleu aussi. Bon, de toute façon, je sens qu'on va faire la feignasse. Parce que vu que de toute façon, il faudra celle d'os, j'imagine. Enfin, pardon, celle de or. Ouais, non. Je pense qu'on va faire. Est-ce que j'ai de quoi la faire? Oh, j'ai l'air d'avoir juste de quoi la faire. Alors attends, ça c'est 2 points. 2 points. 3 points. Bon, elle est pas très jolie, mais... Ah merde. J'en ai trop mis. Sur 10, il y en a 4. Ouais. Petite épée avec du tranchant bleu. Je sais pas hein, si ça va faire une grosse différence, mais ça vaut le coup de tester.